Bonjour, je m'appelle Alexandre Berrerier et je suis hypnothérapeute. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes, quelques tuyaux pour vous aider à vous endormir. Endormir, c'est l'idée de se relâcher, de lâcher prise. Et c'est marrant parce que quand on dit prise, c'est comme si on va chercher à se débrancher. Se débrancher de l'emprise du quotidien, se débrancher du quotidien qui finalement concerne le monde conscient. Or, quand on s'endort, c'est cette transition qui va vous permettre de laisser la place à votre inconscient. Cette partie de vous qui sait, elle, comment dormir. Alors, l'idée, c'est de ne plus réfléchir, tout simplement. Je vous invite à visionner la vidéo « Lieu ressources » afin de pouvoir mieux appréhender le travail que nous allons entamer à partir de maintenant. Je vous invite à vous installer confortablement sur votre fauteuil. Trouvez un moment où vous n'allez pas être dérangé. Cette vidéo, vous allez pouvoir l'écouter, la réécouter et puis apprendre à finalement trouver votre propre métaphore, vos propres images, votre propre façon de pouvoir induire cette détente et ce sommeil à la clé. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à avoir les pieds bien posés sur le sol. Voilà. Prends une bonne respiration et à l'expiration, pouvoir fermer les yeux, tout simplement. Voilà. Prenez le temps de fermer les yeux et de vous connecter à votre lieu ressource. Ce lieu où vous avez la clé pour vous permettre de vous ressourcer, de pouvoir vous baigner dans un bien-être total. Ce lieu ressource, c'est un carrefour de plein de chemins. Et dans quelques instants, je vais vous inviter à prendre le chemin du sommeil. Peut-être ce chemin, peut-être un chemin en pierre, en terre, ou peut-être en lumière, je ne sais pas. Imaginez qu'il y a un chemin. Et je vous invite à marcher sur ce chemin, pas après pas, de sentir le contact sur le sol et la respiration calme et tranquille. Et à chaque respiration, deux fois plus profondément détendu, comme ça. Et qu'est-ce que c'est agréable de se laisser aller, de relâcher complètement. Je vous invite à imaginer qu'il y a sur le bas-côté de ce chemin, comme des personnages, comme des valets. Des valets qui sont là pour vous servir. Parce qu'au final, vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre royaume inconscient. Alors ces valets sont là pour vous servir. J'aimerais que vous puissiez imaginer vous délester de toutes les pensées qui vous pèsent, de toutes ces choses qui vous tracassent au quotidien. Vous pourriez très bien imaginer mettre une pensée dans une enveloppe et puis la leur donner, comme ça. Une pensée peut être une image, peut-être un mot, peut-être un visage, je ne sais pas. De toutes ces choses qui vous pèsent au quotidien. Allez vous délester de tous ces paquets qui vous pèsent. Et à chaque pas, sentez-vous plus léger, plus tranquille. Et chaque fois, vous distribuez comme ça, tac, les pensées, afin de pouvoir finalement permettre à votre conscient, lui, de s'en aller. Et laisser l'inconscient, lui, prendre le relais. Imaginez pouvoir marcher sur ce chemin. Au bout de ce chemin, il y a une porte. Peut-être une porte d'une couleur particulière, d'une forme, d'une taille, d'une matière. Et plus vous avancez, et plus vous vous approchez de cette porte. Si bien qu'arrivé au niveau de cette porte, vous êtes complètement délesté de toutes les choses qui vous pesaient, qui vous tracassaient. Vous êtes disponible maintenant, pour bientôt,
ouvrir cette porte. Et juste derrière cette porte, eh bien, c'est la pièce sommeil. La pièce dormir. Derrière cette porte, il y a un enfant qui dort. Mais vous ne le voyez pas encore. Et cet enfant, c'est vous. Dès que vous arrivez à cette porte, eh bien, je vous invite à l'ouvrir. Baissez la poignée ou la tournez, je ne sais pas. Et découvrez ce lit. Découvrez ce lit et cet enfant qui dort. Qui dort profondément. Qui dort agréablement comme l'innocence d'un enfant. Et qui est parfaitement, peut-être, sous sa couette, sous un drap, peu importe. Et il vous accueille, il vous attire. Laissez-vous de plus en plus attirer vers lui. Et je vous invite maintenant à vous blottir contre lui, à vous blottir dans ce lit, à son contact, pouvoir se calquer sur sa respiration, pouvoir sentir sa chaleur, son odeur. Et plus vous vous serrez contre lui, et plus vous devenez ce petit enfant. Ce petit enfant qui dort profondément. Ce petit enfant dont l'innocence, eh bien, est à l'origine de cette détente, de ce bonheur, de ce sommeil agréable et réparateur. Et qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir dormir profondément comme cet enfant. Et à chaque seconde, et à chaque respiration, deux fois plus profondément détendu. Dormir. Dormir profondément. Et c'est comme ça que l'inconscient, lui, se souvient à partir de maintenant. De pouvoir dormir profondément. Comme cet enfant que vous êtes maintenant. Et chaque nuit à partir de maintenant, c'est cet enfant qui dort, qui prend plaisir à retrouver ce sommeil, à gagner en sommeil. Parce que finalement, plus on dort, et plus on se recharge en énergie disponible toute la journée d'après. Accueillez. Accueillez ce dormir maintenant, profondément et agréablement. Et chaque jour, arrivée la nuit, eh bien vous dormirez deux fois plus facilement. Quatre fois plus efficacement, maintenant. Inspirez cet enfant en vous. Il vibre en vous, tellement agréablement, tellement bien. Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir, comme un soleil qui se lève, comme un rideau qu'on tire, comme une nuit pleine de détente et d'énergie. Prendre quelques bonnes respirations. Imaginez comme vous vous réveillez le matin et puis vous vous étirez un petit peu. Vous commencez à bouger les doigts, comme ça. Et puis les pieds. Et puis vous sentez la respiration dans votre corps. Le calme et la détente et la tranquillité. Et au fur et à mesure de chaque respiration, vous vous réveillez. Fraîche et tellement disposée à passer une très bonne journée. Eh bien, je vais vous donner deux petites astuces. Astuce numéro 1, quand vous avez des pensées comme ça, parasites, etc., qui vous empêchent de dormir, qui vous font ruminer, etc., eh bien, il y a un truc qui est marrant à faire, eh bien, c'est de pouvoir mettre comme un traducteur. Alors voilà, vous pouvez très bien penser à parler en mandarin ou peu importe. Tout ce que vous pensez, même les pensées qui viennent se superposer sur les autres pensées, même avec le fait de penser de penser, eh bien, vous le pensez dans une autre langue que vous ne comprenez pas. Si bien qu'au bout d'un moment, bah, rien n'est clair et rien n'a de sens, et vous finissez par vous endormir, tout simplement. Ça peut être aussi des images que vous écartez comme ça, et que vous laissez passer au premier plan de vous, par exemple le mot « dormir », ou vous en train de dormir profondément. L'astuce numéro 2, eh bien, c'est pas d'essayer de dormir, ou c'est pas de dire « tiens, j'ai envie de dormir » ou « je veux dormir ». Parce que plus on essaye, finalement, et moins on y arrive. Soyez plus direct. Je dors.
Et dites-vous que quand vous êtes fatigué, eh bien c'est que votre corps réclame un peu de sommeil et qu'il en a besoin. Donc prenez ce temps pour vous, que ce soit au travail, que ce soit chez vous, entre deux rendez-vous, peu importe, de prendre ces 5 minutes pour vous et pour vous dire voilà, pendant 5 minutes, je dors. Il est vrai qu'on a beaucoup de croyances, beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de familles qui nous disent c'est pas bien de faire la sieste, c'est pas bien de dormir, etc. Mais le corps a besoin de récupérer. Donc si vous sentez la fatigue arriver, prenez 5 minutes pour vous et pour vous dire voilà, je prends 5 minutes pour moi pour me recharger en énergie, pour dormir quelque part. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui, je l'espère, vous aura apporté bien-être et détente. Vous pourrez retrouver plein d'informations sur mon site internet alexandre-hypnose.com. Vous pourrez retrouver des futures dates d'ateliers. Vous pourrez commander des audio-hypnoses où que vous soyez dans le monde pour une séance clé en main. Et bien entendu, venir ici pour des séances individuelles. Je vous invite également à vous connecter et à vous abonner à la chaîne Minute Forme pour bien d'autres vidéos bien-être. Merci et à bientôt !